Et salut YouTube! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de e-robots, les aspirateurs intelligents. Allez, c'est parti! Alors, vous avez certainement déjà dû entendre parler de cette marque qui est quand même assez connue. Et je me suis dit, pourquoi pas vous présenter un peu l'accessibilité de l'application. On va pas vraiment parler des aspirateurs, de leur performance, de leur efficacité. Bon, ce qui nous intéresse un peu plus aujourd'hui, c'est l'application, qu'est-ce qu'elle nous permet et surtout qu'est-ce qu'on peut faire aussi avec VoiceOver. Attaquons tout de suite. Donc, je tiens à préciser, petite parenthèse quand même, le principe des aspirateurs e-robots est d'être des aspirateurs robots qui se passent tout seuls, en gros qui font le ménage tout seuls. Moi, je dispose d'un i7 Plus depuis quelques temps maintenant. Il existe aussi des aspirateurs qui lavent également, donc des aspirateurs laveurs, et il existe aussi des robots uniquement laveurs, pour la petite précision. L'application, je tiens à le préciser, est super accessible. Là, on peut féliciter e-robot. Il n'y a pas grand chose à dire en termes d'accessibilité. Vous allez voir ça tout de suite. Comment ça fonctionne? Une fois qu'on a notre ou nos produits, on télécharge l'application, on connecte les produits tout comme il faut. Généralement, on branche les bases et on branche les robots sur les bases, du moins on les pose dessus. Avec l'application, si c'est pas le cas, on va créer un compte et après ajouter les appareils. Nous le propose tout de suite d'ailleurs, juste après la création du compte. Une fois que c'est fait, le concept est simple, il va falloir créer des pièces. Et dans chacune des pièces, vous allez scanner, faire une carte de cette dernière. Et le but de cette carte, c'est qu'elle soit évolutive, qu'elle soit personnalisable si vous avez besoin, et que vous puissiez vous virtuellement y appliquer des restrictions. Alors bon, on va tout de suite se le dire, hein. Les cartes, on peut les créer, on peut les actualiser, etc. D'ailleurs, à chaque fois que le robot passe, il actualise la carte automatiquement quand il sait où il est, etc. Par contre, nous, on va avoir du mal avec VoiceOver à modifier une pièce en tant que telle, parce que c'est graphique, hein. Bon, alors là, je veux dire, je veux bien à un moment donné qu'il faille faire des efforts, mais bon, il y a des choses qui, sans nouvelle technologie ou nouvelle méthode de faire, on va avoir du mal à faire des dessins, quoi. Donc, dans l'absolu, bon, au pire, si vous voulez faire ça, vous pouvez demander à des personnes, mais j'ai laissé faire le robot, il a scanné, après, bon, c'est plutôt pratique quand on veut lui donner des zones d'interdiction ou des zones de priorité ou autre. Dans l'absolu, une fois qu'on a nos pièces et qu'on a nos cartes, c'est super facile. Dans le cadre du robot aspirateur, par exemple, vous le prenez, vous le placez dans votre cuisine ou vous appuyez sur son bouton pour le démarrer et il détecte automatiquement la pièce dans laquelle il est, du moins c'est mon cas chez moi. Ou sinon, vous prenez votre application et vous le lancez à partir de l'application. Il faut savoir qu'à chaque fois que vous allez le faire aspirer, il va, en plus de se servir de la carte que vous avez créée, il va l'actualiser en permanence parce que les pièces vont bouger, hein, toujours en fonction des obstacles, des trucs qui peuvent arriver, déplacement de meubles, etc. Donc ça reste évolutif en permanence. Commençons à voir l'application. Donc tout en haut à gauche, on va y retrouver votre robot. Douglas, donc bouton. Le mien, il est là. Je vous le présente, enchanté, il s'appelle Douglas. Si on clique dessus, on va avoir une fenêtre. Douglas, voilà. Bouton. Vous proposant tous les robots que vous disposez. Mais je n'ai pas d'autres. J'ai que Douglas, mais si vous en avez d'autres, ils apparaîtront là et vous pourrez passer de l'un à l'autre comme ça pour lui donner des consignes. Ensuite, vous allez retrouver l'onglet UI menu, bouton, peut-être, menu. Comme son nom l'indique. Donc dans l'onglet menu, bon. À propos de cette appli, bouton. Voilà, à propos de l'appli, compte, bouton. Votre compte. Ajouter votre produit, bouton. Ajouter un robot si vous avez besoin. Maison connectée, bouton. Et voir votre maison connectée, la modifier par exemple. Fermer le menu contextuel, bouton. Et même un bouton pour fermer le menu. Je vous dis, chez e-robot, ils ont quand même fait les choses assez bien. Une fois que nous avons parcouru le menu, à droite, on va y retrouver... Nouvelle tâche, bouton. Le bouton pour créer une nouvelle tâche. Donc si on clique là-dessus, c'est très facile. Il va vous afficher toutes les pièces possibles, tous les robots possibles. Et après, bah, il suffira de lancer la tâche, quoi. On choisit la pièce, on choisit le robot et on les jeunesse, comme on dit. Et la possibilité de créer un favori, exactement. C'est quand même pratique. Moi, j'en ai fait quelques-uns. Ça évite à chaque fois de devoir aller chercher la nouvelle tâche, la pièce, le robot. Moi, j'ai des favoris, vous allez voir par la suite. Également, entre parenthèses, je sais que c'est compatible avec des assistants vocaux. Pas pour le moment Siri, sauf par les actions Siri, mais qu'il faut créer. Mais sinon, il est disponible et contrôlable avec les actions des Google Home, si je dis pas de bêtises, et Amazon. Carte, bouton.
Ici, on a l'onglet des cartes. Donc, si par exemple, je rentre dedans, carte en cours, il va m'afficher toutes mes cartes. Salon, dernière mise à jour, 18 janvier 2024, 11. Voilà. 12. Ça permet de voir que VoiceOver sait vachement bien dire le janvier, 2024. C'est incroyable. Bon. Il nous affiche la carte. La dernière fois qu'elle a été donc mise à jour, en gros, c'est généralement le dernier passage du robot, si vous préférez. Après, vous allez retrouver un bouton tout à gauche, Plus, bouton peut-être voilà. Ajouté. Pour faire un plus, pour ajouter une nouvelle carte. Et donc, juste à droite, salon, dernière. Le fameux salon, comme on l'a vu tout à l'heure. Overflow, bouton. Ici, on a un bouton pour faire des actions, notamment pour supprimer la carte, pour, par exemple, relancer une session de cartographie. Moi, ça m'est arrivé quelques fois où, des fois, il avait du mal à retrouver sa base ou des choses comme ça. Donc, quand c'est comme ça, je me mets sur la carte, je fais une nouvelle session de cartographie. Et là, il va pas aspirer, il va juste se balader et repérer à nouveau la pièce. Des fois, ça peut arriver quand il galère à certaines choses ou quand la pièce va fondamentalement changer ou voilà, quand on change un peu la disposition, vous pouvez faire session de cartographie. Après, rien n'empêche de lancer une session de nettoyage, mais voilà, des fois, c'est pas plus mal de faire juste une cartographie et après de lancer le nettoyage et il actualisera la carte pendant le nettoyage, par exemple. Donc, une fois qu'on a vu donc nos cartes, précédent, bouton de retour, on peut faire précédent. Une fois qu'on a fini l'onglet carte, si on continue à se déplacer, glace. Ici, on a le nom du robot. État de la batterie, mise en charge, pleine, image. Là, il nous dit que l'état de la batterie est en train de charger et qu'elle est pleine, hein, parce qu'il est sur sa base. État actuel du robot, prêt à aspirer. Là, il nous dit que l'état, bah, c'est qu'il est prêt à aspirer, tout va bien. Vider le bac, bouton. On peut vider le bac, si j'appuie là, oups, ça va se vider, c'est rigolo. Favoris, bouton, en tête. Et là, on est dans la section des favoris. Donc, si je descends, par exemple... Favoris, entrée escalier avec ton estimé 2 minutes, bouton. Voilà. Entrée, escalier, et il met un temps d'estimation, genre les d'autres pour le salon, etc., etc., etc. Outre les favoris, si on se décale, alors, vous avez les en-têtes. En-tête. Programmé. Bouton en-tête. Vous voyez, on peut passer avec les en-têtes de la section favoris à la section programmé, etc., donc c'est plutôt pas mal. Ici, on va y retrouver nos programmations, par exemple, on peut activer ou désactiver des programmations pour qu'ils se passent tous les jours à telle heure, très pratique. Ensuite, on a la section historique, bouton en tête. Historique, pour voir tout ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il a nettoyé, à quel moment, à quel endroit, à quelle heure, est-ce que tout s'est bien passé, etc. En gros, vous avez compris, un historique quoi. Message, bouton en tête. Ici, la section des messages. Oh, quand iRobot fait parvenir un message, ou quand il y a des messages d'erreur, ou quand il y a des choses qui vont pas. Voilà pour la page d'accueil. Vous avez une petite barre en bas. Barre d'onglet, sélectionner mes produits, onglet 1 sur 3. Voilà, vous avez mes produits, donc ça c'est la page on va dire d'accueil. Message, onglet 2 sur 3. La partie message pour voir les messages, bon, ça fait un peu doublon avec la section du bas, mais pourquoi pas. Boutique, onglet 3 sur 3. Et boutique pour pouvoir acheter les pièces. Ils sont quand même très forts, hein, parce qu'on a tout sous la main. Mais c'est quand même très pratique pour pouvoir, hop, racheter des pièces. On a même un petit compteur d'usure de pièces pour nous dire, tiens, telle pièce, il faut la changer et tout, parce que bien sûr, un aspirateur, ça aspire, mais il faut le nettoyer aussi, il faut remplacer certaines pièces, etc., etc. Donc, dans l'absolu, vous voyez que tout est parfaitement accessible. On peut même créer nous-mêmes nos favoris, associer des couleurs, on peut créer nos actions Siri, par exemple. Une menu, bouton, hop, menu. Je retourne tout en haut. Nouvelle tâche, bouton. Je vais cliquer sur nouvelle tâche. Nouvelle tâche, en tête. Donc, quand on arrive dans cette fenêtre, on est sur l'onglet nouvelle tâche. Si on se décale à droite, écuille close, bouton peut-être fermé. On a le bouton pour fermer. Bon, ok, il est en anglais. On peut chipoter, c'est pas français, machin. Bon, on a très bien compris à quoi ça sert, c'est très fonctionnel. Après, s'ils veulent l'améliorer, c'est un petit plus, mais bon, vous voyez que c'est quand même déjà très bien. Nom du robot, Douglas, en tête. Ici, on a le nom du robot. Nettoyer partout. Ici, on a la possibilité de nettoyer partout avec une case à cocher qui se trouve juste à droite. Nettoyer partout, bouton désactiver, carte, salon. Ici, on a le choix de la carte. Donc, si je clique ici, je peux choisir une carte. Salon, cuisine, etc. Pièce. Ici, il nous affiche la pièce. Salon. Donc, par exemple, là, salon. Si je clique dessus, il va m'afficher le temps. Tilde 53 minutes, salon. Voilà, donc il lui faut 53 minutes pour faire le salon. Si on se décale vers la droite, on va avoir... Zone en tête. Les zones. Donc les zones, c'est comme je vous disais tout à l'heure, hein, c'est quand on va créer des zones sur une carte où on peut dire au robot d'aller aspirer à un endroit ou de ne pas aspirer à cet endroit-là, par exemple. Bref. Et là, vous aurez vos zones que vous avez pu créer, par exemple, au préalable, salle à manger. Moi, j'avais fait la zone pour le chien. Zone chien. Voilà, et là, il va aller aspirer que la zone où il y avait le chien à cet endroit-là, etc. Et si on continue à se décaler... Enregistrer comme favori, bouton.
On va retrouver le bouton enregistrer comme favori, on pourra y mettre une couleur, le nom comme on veut. Commencez maintenant, à propos de tilde 53 minutes, bouton. Voilà, à commencer maintenant, il nous dit commencer maintenant avec le temps et à propos de si on clique dessus. Donc vous voyez qu'on a vraiment toutes les informations. Alors si je le fais, le robot va se lancer, mais là j'ai pas besoin qu'il se lance. Voilà les amis pour la présentation de cette application. Concernant les robots, leur accessibilité, je peux pas vous en parler de tous, moi je n'ai qu'un i7 Plus, ce qui est déjà super d'ailleurs, mais je ne connais pas les autres. Cependant, ce que je peux vous dire, c'est que sur le robot lui-même, le mien, j'ai 3 boutons. Un gros au centre pour lancer l'action, enfin lancer le nettoyage si vous préférez. Bah, il va détecter en fonction de la pièce tout seul dans laquelle il est. Tout à droite, c'est un peu creusé, donc ça se trouve facilement, c'est pour le lancer l'aspiration du bac. Et à gauche, c'est pour faire ce qu'ils appellent le clean spot. On le pose à un endroit, genre on a fait quelque chose par terre, il faut aspirer, on le pose là, et puis il aspire que là, et il ne fera pas toute la pièce. Voilà. Mais ça, ça dépend de tous les robots, je peux pas tous vous dire, donc sur le i7 Plus, je sais que c'est comme ça, sur les autres, je sais pas. En tout cas, c'est très accessible dans ce cadre-là. Et après, concernant l'entretien et l'utilisation du robot, c'est aussi très accessible. Les pièces, ça se commande facilement, ça se remplace facilement. C'est très simple à remplacer parce que le robot, en fait, n'est fait que de modules. Donc on prend un module, on l'enlève, on prend la pièce, on l'enlève. Enfin, je veux dire, c'est pas compliqué, on n'a pas besoin de 36 000 outils. Tout est assez intuitif, tout est facile. Et on sent que c'est quand même des machines qui sont pensées pour durer un certain temps. Moi, le mien, je l'ai depuis, je sais pas, 2020. J'ai déjà remplacé la batterie une fois. Les brosses, naturellement, je les remplace régulièrement. On peut quasiment retrouver toutes les pièces détachées. Donc ça, c'est quand même très cool en termes de longévité des appareils. Et nous, on peut quasiment tout faire tout seul. Donc c'est quand même très bien. Un petit mot également sur le service client, qui est super. J'ai déjà eu des soucis sur des commandes. Quand je recevais les commandes, j'avais déjà eu un problème. Bon, ça peut arriver, hein, c'est de l'industrialisation. Sur des rouleaux, par exemple, ou sur des brosses, ou des trucs comme ça, ils ont toujours été au top. Ils m'ont toujours envoyé la pièce en remplacement quand il y avait eu un problème ou autre. Donc franchement, très sympa, à l'écoute, donc rien à dire. On peut dire ce qu'on veut, mais ça reste quand même, ok, une marque chère, mais ça reste quand même, je pense, la marque leader dans le milieu, dans le domaine. Ok, il en existe d'autres aux alentours, mais là, si on veut la simplicité, la praticité, allez chez Robo, vous aurez vraiment aucune mauvaise surprise et vous aurez surtout le plaisir d'avoir un robot qui fait ce qu'on lui demande et pour lequel l'application est accessible et le service client est également à l'écoute parce que je ne cesse que de le répéter à qui veut bien l'entendre bien sûr, mais c'est bien beau d'acheter un produit, mais le produit va avec son SAV, hein, toujours, c'est quand même ultra important, ça sert à rien d'acheter une Rolls Royce si derrière le moindre problème, personne n'est à votre écoute pour vous filer un coup de main ou trouver une solution ou essayer d'être arrangeant. Voilà, en gros, pour faire comprendre, c'est ma façon de voir les choses, ma façon de penser, mais en tout cas, quand je parle d'une marque ou quand je vais dans une marque, qui m'est déjà arrivé par exemple, et j'ai même du matériel à la maison, dont je ne citerai pas parce que c'est pas le thème de la vidéo, mais où le produit peut être excellent et le SAV pourri, donc ça casse tout, et le moindre problème, bah voilà, ça pose problème, la moindre question qu'on a, ça peut pas aller. Pour moi, c'est un tout, un produit, c'est pas que le produit physique, c'est le produit, l'expérience utilisateur avec le produit, les applications, le côté applicatif et surtout le service client, l'expérience clientèle, c'est également le plus important. Il faut le mettre en avant quand c'est des marques qui font parfaitement le boulot, qui font bien le boulot, qui font moyennement le boulot, moins bien le boulot ou pas du tout le boulot, il faut le dire. Soit, c'est vrai que je n'ai pas fait beaucoup de vidéos sur cette chaîne où je parlais de choses pourries, bah, parce que quand c'est pourri, je ne m'attarde pas avec, et voilà. Mais même si je pourrais en parler. Mais du moyen, j'en ai déjà eu, et j'en ai même déjà parlé, du acceptable également, du bien j'en ai eu, et du très bon comme iRobot, voilà. On en a l'exemple type, et il est quand même important et aussi très utile, hein, pour les constructeurs d'en parler, de le souligner. Quand c'est bien, il faut le dire. On n'est pas obligé de crier ou de se faire entendre que quand ça va pas. Ou voilà. On peut aussi dire quand ça va bien et quand tout se passe bien et quand l'accessibilité est bonne et quand le service client est bon et le produit est bon. On peut le dire aussi. On peut dire bravo. Et c'est aussi pour ça qu'on paye des produits et qu'on paye aussi un certain prix. Parce que oui, iRobot, bah, c'est pas donné. iRobot, c'est quand même très cher. Mais bon. La qualité et les services ont un prix, mes amis. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez toute question ou toute interrogation, n'hésitez pas à me contacter, que ce soit par la section commentaires de cette vidéo, via mon site web, la chaîne de luc.fr. N'hésitez pas, tous mes moyens de contact sont là, le formulaire, mon numéro de téléphone pour le WhatsApp. Bref, si vous avez besoin de discuter avec moi pour une question, pour peu importe, besoin de formation, besoin de cours, besoin de... Je suis là, c'est mon métier également pour ça. N'hésitez pas à me contacter. Pour moi, c'est tout aujourd'hui, les amis. Je vous dis à la prochaine. Bye bye.